Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélis et aujourd'hui nous retrouvons pour Phoenix Wright, Ace Attorney Justice en Hall, la deuxième partie du premier procès de l'affaire 2. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons fait connaissance avec le successeur de Manfred von Karma. Nous avons fait connaissance de sa fille, oui, exactement. Et à travers ses airs de femme, elle est quand même extrêmement dure à battre et à... Elle tient beaucoup de son père, on va dire. Et Perly vient de mentionner à l'instant les techniques secrètes des avocats, c'est le Gyakuten no Jutsu. Voilà. C'est parti pour la deuxième partie. J'avais oublié ça. Des coups de fouet. Et chose que je remarque... Soit elle s'est colorée les cheveux, soit elle est extrêmement vieille pour son âge. Et elle insulte les gens. Vieux schnock. Donc, quand les gens disent oui madame, je pense à des choses. Choses interdites aux mineurs. Je pense que tout le monde a compris. Personne n'y échappe, tout le monde se fait fouetter. Ah, elle est d'accord, violence sur autrui. Ça ira. La meilleure réponse du monde. Jérémiade, est-ce que c'est pas avec un G plutôt? J'ai un doute. Ah, Wikipédia ou un Nico et puis c'est tout. Est-ce que Von Karma va se retrouver dans une affaire et là j'ai juste pas envie de l'aider. Nos virgules étions de l'autre côté. Tu m'enlèves cette virgule, s'il te plaît. C'est nous étions, pas nous virgule étions. Ou alors c'est nous virgule étions. Tu m'enlèves ce Z. Un coup de feu. Question, c'est deux coups de feu. Y avait-il quelqu'un dans la salle? Je ne pense pas. Non. Personne. Mais bien oui. Pas de langage SMS oral, s'il te plaît. Attendez, je vois pas très bien. Alors, on voit Maya qui a de longs cheveux, je l'en remarque maintenant. 6. Mais elle était pas de l'autre. Non. Est-ce que Maya était pas plutôt de l'autre côté? Elle était pas du côté du paravent plutôt? Bah. Oui. Putain, il y a beaucoup d'ombre quand même. Photo d'Eva, merci, mais je m'en balance. Je suis prêt. Baboum. Ah, d'accord. Bon, alors le jeu considère en fait que... Si je fais une erreur, c'est mort. Capcom, vous êtes des enfoirés. Objection.
Ouais, elle se met à objecter. Tu m'enlèves cette virgule, s'il te plaît. Attention. Je suis dans le caca. Mon Dieu, les choses deviennent intéressantes. Incroyable, là. Ah, c'est génial. Elle m'a... Si tu veux, Eva, elle fait l'avocate, et moi, je fais le témoin. Comme ça, c'est clair. T'es sans doute assis sur ta chaise. Ça se trouve, il fait que ça de sa journée. Il est assis sur la même chaise. Du matin au soir. Le corps du mort. Je veux juste vérifier quelque chose. Je vais rien présenter. Il est même pas marqué les doigts. Reviens. Voilà. Et si j'insistais? Oh, les tournures de phrases sont compliquées. Flashback. Vous voyez, elle est du côté du paravent. On est d'accord, cette photo, je sais pas comment elle l'a prise. Calique. What? Comment? Oui, c'est indéniable. Je suis encore plus dans le caca. Mais genre vraiment dans le caca. Oui, de Morgan. Enfin, Morgan. Je prononçais le N. Il y avait des bougies. C'est pas sombre. Attention. Le paravent. Je piffe. Donc si ça s'arrête, c'est ma faute. J'ai dit pas de langage SMS oral. Voilà, même... Mais tu peux laisser parler les gens en 5 minutes.
Bon, je suis dans le caca. Voilà, je suis dans le caca. Ah, c'est gentil. Ah, première chose. Quoique un peu plus grande, je dirais. Ce que j'ai à dire pour niquer mon dernier point. Bon, instant de réflexion, je vous prie. Instant de réflexion. Je pense que je ne pourrai rien faire pour le moment. Non, rien du tout. Ah, c'est dommage. Cependant, j'ai peut-être une petite idée. Eh, j'ai une question. J'ai une question. J'ai un flashback, putain, ça vient de me niquer les yeux. Oh god damn fuck, qu'est-ce que j'ai pris comme drogue? Oh c'est... Non, fais pas ça, cette pauvre gamine, elle va être traumatisée. Oh mon dieu. Un peu petit. Mon nom surtout. J'ai vu un corps, un mort, et c'est tout. Enfin, j'ai vu un mort, un corps, le corps du mort, exactement. Un clic. Et une image extrêmement flippante que je ne veux plus jamais revoir de ma vie. Wait. Deux. Ah mon dieu. Deux photos. Je m'en souviens plus.
Elle a pris deux photos. Pas fini. Ouais. Merci, c'est la magie de ta part. Je suis obligé de la remercier. Je suis obligé de la remercier. J'ai rien fait, c'est voilà, il craint les objets, hein, c'est sa faute. Hein. Enfin, je la remercie un peu. Voilà. J'avais raison. Deux photos. Pas une. Deux. Oh, tu es tellement gentil. Tu apprends la première défaite de ta carrière, en fait. Non, ça je m'en fous. Je m'en contre-fiche. Ah ah. Ça, c'est intéressant. Deux photos. Idiote. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est ce... elle a oublié d'en montrer une. Alors ? Ouais, c'est ça. Ouais, je te crois. Dissimulation de preuves. Tu vois ce qu'il y a à prison là? Quoi? Oh, c'est tout son père. Ah, comme son père. C'est tellement mignon. Ouais. Allez, tu me fais pitié. Je les sors le jeu, j'en ai marre. Oh le... Non, tu me dégoûtes. Oh, oh, oh. Sérieusement. Mais non, j'insiste quand même pour avoir cette photo. Enfin, cette preuve inutile. C'est fou. En à peu près 30 épisodes de Phoenix Wright, j'ai jamais vu aucune preuve inutile. Excusez-moi de vous déranger. Mais ce visage est totalement différent. Non. Je veux bien croire. Oui. Ah. Nous sommes d'accord. Elle n'a pas la même carrure au niveau de la cage thoracique. Voilà. J'aimerais comprendre. Insiste-je. Je vais peut-être soutenir. Voilà, donc... Je voudrais savoir... Si ce n'est point Maillefeuille... Qui est l'assassin? Je veux une réponse.
Ah, merci. Enfin, on a... Oh, excuse-moi. Non, c'est gentil. Ah, sa maman. Oh. Elle a plus... de... d'arguments que son père. Qu'y a-t-il sur cette photo? Qu'est-ce? Mais, qui a pris cette photo? Oh Sam, oh zut, oh là là, oh merde, oh zut, oh là là, ah. Oh mince, zut la flûte. Ah, je le savais. Non mais je pense qu'elle va être recevable. Ah, elle l'avoue. Oh non, elle influence le juge par une preuve illégale. N'est pas possible. Attendez une seconde. Quelque chose me chiffonne. Quelque chose ne va pas même. Je sais ce qui ne va pas. J'ai gagné. Enfin, je pense. Exactement. Une énorme... comme... mon service 3 pièces. Alors... il faut pas que je me trompe. Alors, la manche gauche, parce qu'il y avait un impact de balle. Alors, attendez, que je me trompe pas. Ça, c'est gauche. Allez, faut que je... gauche, oui. Manche gauche, ici. Take this, motherfucker. Réfléchis bien. Ça va remonter. Ça va mettre un peu de temps, je suis d'accord, mais ça va remonter. Ah, je viens de comprendre. Tu t'es pris à ton propre piège. C'est dommage. Tu as été un bel adversaire. J'attends le second round avec impatience. Ah ah! Non, tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Miss! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... What? Pardon? C'est moi l'incompétent? Ah oui, elle est importante au niveau de la cage thoracique, c'est sûr. C'est sûr que toi au niveau cage thoracique c'est pas la même chose. De la photo de tirer, je ne comprends pas. Non, je peux pas le prouver. Mais quand c'est toi qui le dis, ça fait un peu peur. Voilà. Mais laisse Detective en dehors de cette affaire. Oh mon dieu. Hmm.
Et oui. Oula. Merde. Bon, ok. Réfléchissons. Non. C'est tout le temps pas fausse. Quelqu'un d'autre a tiré. Ma main a coupé. Avec ma cravate. Parce qu'elle classe ma cravate. Une explication assez simple. Prends ça dans ton intégrité physique et mentale. Ah oui, tu flippes ta maman. Ridicule. C'est toi qui es ridicule. Tu as montré une photo illégale. Tu mérites une amende. Tu es coupable. C'est faux. C'est entièrement faux. Oh la pauvre. Je connais une excellente crème qui guérit des mal, des maux de fouet. Accusé ? Ah ! Enfin ma petite. C'est extrêmement simple. Vous me faites tous pitié. Non. Par contre, tu es prêt à prendre ta défaite? Exactement. Elle change de corps, elle change de perspective. Tout change. Non. Phoenix, tu as la clé. Maya avait quitté la pièce. Une preuve unique. La clé de ce procès. Idiote. Une preuve extrêmement simple. Prends ça. J'adore quand le jeu ralentit, du coup je ne peux rien faire. J'étais super bien dans l'action. On va dire qu'il passe, attention ça va être vite. Prends ça. Vous avez vu ça? Vous avez absolument rien vu. Exactement. 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 Ça monte au cerveau, ça y est. Ça monte au cerveau. Attends, ça va monter. Exactement. Oui. Oui. Ah, que se passe-t-il? Tu viens de comprendre. C'est là qu'est l'astuce. Elle aurait eu la clé. Et pourtant, elle ne l'a pas eu à la fin. Comment l'expliquer? Je sais pas. Voilà. Disons que je t'ai aidé. Un petit cadeau de bienvenue en somme. Elle était, voyons. Si je prends le plan, elle devait être en train de se reposer avec une idiote. Rousse. Débile. J'ai rien contre les roues. Ridicule. Comme toi. Ah, son intégrité en prend très très cher dans ses dents. Bien.
Oui, nous sommes dans le ciment, nous ne pouvons bouger. Cependant, nous ne savons pas de 1 qui est cette personne et de 2 qu'est-ce qu'elle fout là, elle devrait être sur le paravent. Ne s'agit en rien d'accusé, j'en suis extrêmement sûr. Tu enlèves les points, tu fais une vraie phrase, s'il te plaît. Je propose un sursis de 24 heures. Non, personne n'est parfait, ma grande. J'ai déjà entendu des Daleks dire ça. Ils sont fait poutrer par une personne de 900 ans. Oui, je sais, toi non plus. Oui, tu es un prodige. Pour perdre. Tiens. Je sens que tu vas perdre ton premier procès, ainsi que le suivant, et encore le suivant, et les prochains, car tu es comme ton père. Tu es trop parfait, et la perfection a aussi ses faiblesses. On fait chacun un monologue, elle parle, moi je pars par-dessus. Merci de me laisser, on a une après-midi, et c'est trop peu monsieur. Je demande un sursis de 24 heures. Ah, oui, c'est vrai, toi t'es un prodige. Ta mère. Enfin. Oui, c'est ta mère qui m'en a parlé. Par contre, la prochaine fois, s'il te plaît, mets des vêtements plus amples. C'est pas que les viewers s'en profitent, mais bon. Je sais que tu en profites, toi, derrière ton écran. Je le sais, je le sens, je le vois. Mystère. Toi, t'aurais quand même pu m'aider, Maya. Tu nous envies pour... J'ai peur de comprendre. Ouais, je crois bien, parce que... Ça va pas le faire. Ah, c'est vrai qu'elle a jamais... Ne laissez jamais vos enfants à la maison pendant les 10 premières années de leur vie. Oh là là. Quand elle va perdre son innocence, j'imagine même pas la crise qu'elle va faire. Et quand j'entends perdre son innocence, Peggy 18, s'il vous plaît. On ne rigole pas avec ça. Enfin, j'espère que ce sera pas trop douloureux pour elle. Bien, donc ça, c'est fait. Et j'avais plus qu'une erreur à faire avant de tout recommencer. C'était génial. Bien, nous avons donc appris beaucoup de choses. Notamment que Berly, on la vague des gens. Voilà, on voit bien les courbes et tout ce que j'ai retenu. Et que nous avons sans doute fait perdre toute la stratégie de Von Karma. Nous sommes diaboliques. Et ça, c'est qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de laisser un like, de mettre un commentaire, de me suivre sur Twitter, @Reus1. Bon jeu, et à la prochaine.